Alexandra et Laura impressionnent depuis le début de Pékin Express sur M6. Souvent victorieuses, les sœurs Chien et Chat ont dévoilé le contenu de leur sac à dos pour le jeu. Pékin Express a fait son retour depuis le jeudi 16 février sur M6 avec toujours Stéphane Rottenberg à l'animation. Pour cette 17e saison, les participants doivent se débrouiller avec 1 euro par jour et par personne, qu'ils n'ont pas vraiment le temps d'utiliser, en Bolivie, au Paraguay et au Brésil. Un périple qui est rythmé par de l'autostop, des épreuves mais aussi par d'émouvantes rencontres avec les habitants. Alors qu'elles ont regardé toutes les saisons depuis la création de l'émission, Alexandra et Laura ont enfin été sélectionnées par la production. Âgées de 24 et 26 ans, les deux sœurs originaires de Neuilly-sur-Seine, Hauts-de-Seine, qui ont candidaté à 3 reprises, ont 2 caractères distincts. Alexandra et Laura sont vraiment très différentes même si elles sont sœurs et n'ont que 2 ans d'écart, Alexandra et Laura avouent se chamailler en permanence depuis qu'elles sont enfants. Nous sommes vraiment très différentes. Alexandra est très organisée. Elle prévoit tout quand on part en voyage. 14h les visites, 15h le goûter. Moi j'aime aller faire la fête et parler aux gens, confiait Laura au début de l'aventure à nos confrères de Ouest France. Celles qui vivent dans les Hauts-de-Seine ont répondu à des questions de fans sur les réseaux sociaux. L'occasion de découvrir le contenu des sacs à dos des candidats, et précisément celui d'Alexandra. Le contenu de leur sac à dos dévoilait une question qui revient souvent si est-ce ce que vous prenez dans votre sac à dos? A commencé Laura. Elle poursuit, en vrai dans le sac à dos on n'a pas beaucoup de place, on n'a même pas la place de mettre une doudoune, on n'a pas la place donc on prend une toute petite doudoune, on ceste cahier. On prend vraiment, vraiment le nécessaire, sauf Alexandra, qui a jugé nécessaire de prendre. Balance-t-elle, rejointe par son binôme. Mon liseur. Franchement il pèse pas lourd, il est tout petit et je me suis dit, je ne peux pas vraiment m'habiller sympa, on ne peut pas toujours se doucher, on ne peut pas se maquiller, on est en mode deg tout le temps. Le lisseur au moins, je n'aurai pas les cheveux en pétard, ceste justifié Alexandra. @laura-pekinexpressfaq. On répond aux questions les plus fréquentes, visage souriant, hashtag Pékin Express, hashtag N6, hashtag Pékin Express 17 dièse FAQ son original, Laura Pékin Express à lire aussi je me forçais à ne pas regarder les femmes, Energy. Pékin Express 2023, lève le voile sur sa vie intime pour la première fois. Keep taking a chance. You can just keep.